Nous sommes au complexe scolaire Weihov Djekbuta où Mpati Misi Maou, instituteur expérimentateur de l'anglais, débute son cours de l'après-midi avec ses apprenants de la classe du CI après avoir parcouru 3 classes dans la matinée. Dans sa phase pilote, l'introduction de l'anglais par le gouvernement prenant en compte 216 écoles primaires est basée sur l'oralité où les apprenants auront à comprendre et à s'exprimer en anglais. L'introduction de la langue anglaise au primaire, c'est pour faire parler les enfants. On veut que les enfants réagissent, qu'ils comprennent l'anglais et qu'ils s'expriment eux-mêmes en anglais. Nous avons le guide et dans ce guide-là, nous avons la salutation et greeting et bonjour, bonsoir, how are you? En tout cas, nous avons tout ça là en anglais que nous avons appris aux enfants au début. En plus de ça, il y a maintenant ce qu'on appelle classroom objects. Et dans les classroom objects, nous avons et Adwal, ce que nous appelons slate. Nous avons crin, ce qu'on appelle choc. Nous avons chiffon et duster. Nous avons cahier, copybook. En plus de ça, nous avons aussi comment l'enfant doit parler de sa famille. Nous avons aussi dialogue, c'est-à-dire comment l'enfant va parler avec son camarade en anglais. Show me. C'est ça notre retour. Donc c'est basé seulement sur la communication orale. Pour une première phase expérimentale de l'anglais, il faut souligner déjà quelques difficultés. Il y a pas mal de difficultés que je rencontre. C'est difficile aux enfants de s'exprimer en anglais, mais avec du matériel et tout ça là, les enfants arrivent à s'en sortir. En plus de ça, parcourir 6 classes par jour, s'il faut quitter d'une classe à une autre, il faut monter sur son engin pour aller d'une école à une autre. Je rentre le soir tout fatigué, tout épuisé. Goodbye class!